Europe Soir, 19h, 20h. Raphaël Delvolvé. Merci d'être avec nous sur Europe 1, la suite du journal d'Hélène Zélani, qui n'a pas chez lui le fameux tiroir à chargeur avec d'innombrables fils orphelins. Moi j'ai, mais ça va changer. Le chargeur universel va donc devenir obligatoire dans l'Union européenne. Ainsi en ont décidé les députés du Parlement de Strasbourg, un camouflet pour Apple, Louise Salé. Oui, cette mesure avait été critiquée par la marque californienne qui l'a jugée néfaste pour l'innovation. Mais ces lobbyistes ont perdu la bataille. Elle avait d'ailleurs débuté sous la présidence française de l'Union européenne. Et celui qui a été choisi, eh bien, c'est le chargeur USB-C qui existe déjà dans le commerce. Toutes les marques devront l'adopter pour leurs tablettes, leurs casques, leurs appareils photo, leurs souris ou encore leurs enceintes. Le grand avantage de cette mesure, quel est-il? Eh bien, il est double. Évitez tout d'abord d'acheter un chargeur à chaque nouvel appareil électronique, ce qui limite la production en amont. Et en aval, eh bien, cela évitera près de 11 000 tonnes de déchets chaque année. Moins de chargeurs seront en circulation et le recyclage de ces produits pourra davantage se développer. L'Europe laisse encore 2 ans aux entreprises pour s'adapter, mais à l'automne 2024, seul le chargeur USB-C pourra être commercialisé. Et en 2026, eh bien, il deviendra également obligatoire pour les ordinateurs portables. Donc les premiers changements, c'est d'ici un an.